Ces derniers jours, des cas d'overdose à l'héroïne sont multipliés en Île-de-France et ce serait dû à une drogue mal préparée. L'héroïne, appelée en chimie diamorphine, est une drogue de la famille des morphiniques qui peut être inhalée ou injectée directement en intraveineux. Sous sa forme originale, l'héroïne se trouve sous forme de cristaux blancs. Sauf que comme la totalité des drogues qui circulent sur le marché, elle n'est jamais sous sa forme pure, mais plutôt mélangée avec des additifs. C'est ce qu'on appelle de la drogue coupée. Ce qui fait que la teneur en substances actives d'héroïne en l'occurrence peuvent varier selon les mélanges qui sont effectués puis vendus. Et donc le consommateur ne saura pas forcément la proportion d'héroïne de substances actives qui se trouve dans le produit qu'il consomme. Il arrive régulièrement que de l'héroïne mal coupée circule comme c'est le cas actuellement avec plusieurs dizaines de cas de surdosage liés justement à cette drogue mal proportionnée. En pensant consommer X quantité de substances actives d'héroïne, et ben en fait les consommateurs en consomment bien plus.